Alléluia. Moi, je préfère l'eau de vie à l'eau bénite. Gardez la foi, mon fils. Ouais, c'est ça. D'un coup. 8e compagnie, préparez-vous. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon. Allez, préparez-vous. Ah, les cons, c'est notre artillerie, ils nous tirent dessus. Allez faire dire à ces abrutis d'allonger le tir, au nom de Dieu. Si c'est pas malheureux, on est dirigé par des incapables. Ça veut dire l'angoin. Moi, rien, mon capitaine. J'aime autant ça. Vérifiez bien que vos armes n'ont pas de terre dans leur canon. Allez, préparez-vous, mettez vos casques. Et éteignez ces cigarettes. Dis-moi les boches, ils ont des vrais casques. Pas cette saloperie. Baïonnette au canon. En position. Point bon jusqu'aux lignes ennemies. Préparez-vous. Azur, créé par M. Poiret, voici pour nos tirailleurs africains le modèle Moutarde, modèle spécialement imaginé par M. Deschamps, un uniforme particulièrement saillant et extrêmement pratique. Qu'en pensez-vous, Monsieur le ministre? C'est tout de même moins voyant que nos pantalons Garance. Et un peu salissant, non? Le jaune, ça fait cocu. Ah oui, je n'y avais pas songé. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici le modèle Bleu Horizon, créé par M. Paul Imbert, tenue qui présente l'avantage de se confondre avec les couleurs du ciel et celles du terrain, suivant le temps qu'il fait. C'est très viril. Il y a des poches au moins, et les poches, c'est le coffre-fort des soldats. Cet uniforme est complété par un casque d'acier de type bourguignotte, conçu par l'ingénieur colonel Penelon, ici présent. Il est plutôt léger, non? Effectivement, mon général, mais il est extrêmement solide. Une balle tirée à 50 mètres n'y pénètre pas. Dites-moi, combien de temps vous faut-il pour équiper notre armée, colonel? Environ 2 mois, mon général. 2 mois? Mais mon pauvre ami, dans 2 mois, j'aurai torché les boches depuis longtemps.